place Tiananmen. Il y a plusieurs grands bâtiments qui sont très importants sur cette place. Donc tout d'abord, derrière moi, le mausolée de Mao Zedong. Son corps et sa dépouille sont encore présents dans ce bâtiment. Là, c'est le palais de l'Assemblée du Peuple. De l'autre côté, juste en face, le Musée National de Chine. Et puis là-bas, reconnaissable, derrière la place Tiananmen, la cité interdite qu'on va aller justement visiter avec Mathias. Les occidentaux en photo, et là c'est peut-être la quatrième fois que ça nous arrive là depuis le début. Là je me trouve dans l'enceinte de la cité interdite, le commencement vraiment de toutes les visites. Le point essentiel c'est de passer par ici. Il y a en tout cas 4 heures de visite, donc voilà, on est parti, suivez-moi. Allez, on va tout là-haut. Cette ville a accueilli les JO en 2008, dans l'année 2008. Donc derrière moi c'est le nid d'oiseau et juste derrière c'est le cube d'eau. La nuit apparemment c'est hyper beau, c'est tout illuminé, c'est vraiment génial. Bon, il y a encore beaucoup de Chinois qui viennent se faire prendre en photo avec Mathias. Dans le métro, c'est trop marrant, genre, il est plus grand que tout le monde et tout le monde le regarde, donc il y a assez souvent des gens qui viennent lui demander pour prendre une photo.